Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin encore, nous allons faire le briefing sur l'écosystème des crypto-monnaies. Nous allons aussi parler des business d'investissement en ligne, voilà, qui continuent de faire des victimes, beaucoup de victimes dans l'écosystème. On va dire, ils ne sont pas dans la finance ordinaire, ils sont généralement aujourd'hui orientés vers les crypto-monnaies. Alors, la plupart des gens font l'amalgame entre un business d'investissement qui utilise les crypto-monnaies comme moyen de paiement et vraiment un investissement directement en crypto-monnaie. C'est de ça que nous allons parler. Nous avons déjà fait des vidéos dans le temps sur ce genre d'événement. Alors, puisque nous sommes en train d'aller vers le bull market, alors ces mêmes sociétés encore, ils s'en vont changer de nom, ils reviennent encore sur le marché et continuent de faire des victimes. Et donc, il est de notre devoir d'alerter un tant soit peu notre communauté, de faire très attention, pouvoir faire le distinguo entre un business en ligne utilisant la crypto-monnaie comme moyen de paiement et véritablement un investissement, voilà, en crypto-monnaie. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien gâter des prochaines vidéos. Nous avons fait deux ou trois vidéos sur ce sujet déjà, mais beaucoup de personnes continuent d'être victimes, et voilà, de ces, on va dire, de ces sociétés de Ponzi, voilà, qui pullulent, voilà, et tout ça, ça donne, voilà, un couvert sombre à l'écosystème des crypto-monnaies, parce que voilà, la plupart des gens ne savent même pas faire la différence entre tout ceci. Alors, quelqu'un qui va faire son investissement et par la suite on le paye, il fait son investissement en ligne et on le paye en crypto-monnaie. Il fait même le dépôt même en USDT, en Bitcoin, il y a beaucoup de monnaie et on le paye en crypto-monnaie. Alors, du coup, une fois que la société disparaît, alors lui, il accuse la crypto-monnaie. Est-ce que le créateur de Tether qui a lancé ce protocole-là? Non. C'est n'importe qui vient et qui sait que la crypto-monnaie étant incensurable, pour la plupart, alors viennent se positionner et voilà, ils vont aspirer votre liquidité parce que nous sommes en train d'aller vers le bull market. Toi, tu as lutté, tu as été 500 dollars, tu as été 1000 dollars. Au lieu d'aller payer une petite pièce comme le Shiba ou bien du cake, déposer quelque part là-bas, ça va prendre de la valeur. Non, hein. Il dit, on lui a dit, s'il met son AIC en 24 heures, il fait 4%. On lui a dit, s'il met 5000 dollars actuellement, d'ici 12 heures de temps, il va multiplier ça par 5. Voilà les promesses qui sont faites. Alors, une société en particularité, voilà, a fait des victimes dernièrement. C'est passé même sur TF1. Alors, c'est Omega Pro. Nous allons rapidement regarder ce qui est dit et après nous allons venir. Il s'agit, voilà, d'Omega Pro. Alors, c'était finalement un cauchemar. Il a perdu 52 000 euros sur le site de trading Omega Pro. Alors, Antoine a perdu 52 000 euros sur Omega Pro, un site de crypto-monnaie contre lequel des milliers de personnes ont déposé plainte. Alors, ils sont plus de 2 000 personnes actuellement à déposer une plainte contre cette plateforme-là. Alors, se faire du mal, voilà, c'est se faire du mal. Antoine, la gorge nouée en passant devant les annonces immobilières, rêvant d'acheter une maison. Voilà, donc le cadre génère a perdu 52 000 dollars. Comment ça s'est passé? Alors, ce dernier, quand le site a fait ses propositions, il a investi au départ en 2022 12 000 dollars. Par la suite, il a investi encore 40 000 dollars. Et donc, alors, il a déposé tout ceci et en espérant recevoir, voilà, de l'argent, voilà, multiplier ses gains pour aller payer sa maison. Alors, c'est un système pyramidal, le dit-il. Alors, à son lancement en 2019, les créateurs d'Omega tentent de paraître crédibles en s'affichant en photo avec la famille princière de Dubaï, ainsi aussi avec
le soutien de certains stars voilà, du cinéma ou du football. Alors, voilà comment ils ont fait pour appâter les gens. Voilà, vous pensez que voilà, ils sont allés à Dubaï, ils ont fait une conférence extraordinaire, là-bas, ils se sont affichés avec voilà, la famille princière là-bas. Et donc, non, c'est crédible, c'est crédible. Mais ceux-là ne peuvent pas aller se présenter là-bas, c'est pas n'importe qui va aller causer à la famille princière. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et par la suite, maintenant, ils ont voilà, ponctionné le compte des gens. Alors, à domicilié à Dubaï et se réfugie voilà, à Saint-Vincent, les Grenadines voilà, de l'Amérique du Nord, puis au Panama, en 4 ans, le site attire des clients dans le monde entier, dont des milliers en France. Ce sont des victimes qui ont perdu 1 000 euros, 150 000 euros, 170 000 euros, rapporte Maître Marc Alain. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Alors, toutes ces personnes qui ont perdu de l'argent à cause de ce site, je méritais peut-être même de passer en justice. Ça, c'est l'un des leaders de cette plateforme-là qui est venu faire sa confession pour dire vraiment qu'ils ont eux-mêmes été abusés par tout ceci. Et donc, voilà, ils font les meilleurs culpa un temps soit peu. Voilà un peu ce qui s'est passé et nous allons faire un peu notre commentaire de ce que nous avons voulu présenter ceci pour montrer aux uns et aux autres tout ce qui se passe voilà, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ce n'est pas seulement que des choses intéressantes qui se passent. Il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent en pensant que tout ça aussi, on est dans la crypto-monnaie et donc nous allons en même temps commenter ce qui se passe. Voilà, comme vous l'avez vu très rapidement dans ce que nous venons de présenter, avec vraiment la personne qui a perdu 52 000 euros. Et donc, il n'est pas la seule personne à perdre de l'argent dans cette affaire. Beaucoup de personnes, voilà, beaucoup de Français ont perdu. Et ce n'est pas seulement que les Français, voilà, TF1 parle parce que ce sont les Français. Même en Afrique ici, beaucoup, voilà, ont perdu de l'argent. J'ai été même coopté par certaines personnes. Alors, voilà, j'ai une opportunité à te présenter. Ils envoient. Et quand tu regardes, on dit, voilà, quand tu déposes pour voilà, de l'argent, voilà, en 24 heures, tu fais 4%, mais à partir de 100 dollars, ça monte comme ça jusqu'à, ça descend à 5000 dollars. Voilà, ainsi de suite, en fonction de la grosseur du gain que tu mets, on te fait des pourcentages. Voilà, ça peut être en 24 heures, ça peut être en 48 heures. Alors, l'un dans l'autre, on vous promet ce genre de choses. La crypto-monnaie existe depuis 2008 avec la création du Bitcoin, l'un des actifs. À cette date, le Bitcoin était évalué à 0,1 dollar, soit 5 francs CFA contre 19 000 dollars aujourd'hui, environ 9 500 000 francs CFA. De quoi susciter l'intérêt dans le monde financier. Erwin est spécialiste de la question. Pour lui, cet actif numérique décentralisé est la monnaie du futur. C'est quelque chose aussi qui ne peut pas disparaître, parce que c'est basé sur une technologie très forte qu'on appelle la blockchain. Et aujourd'hui, la blockchain est utilisée dans le monde entier. Aujourd'hui, la banque centrale est en train de créer sa crypto-monnaie. Et en Côte d'Ivoire, il y a des maisons ici aujourd'hui qui rachètent des crypto-monnaies. S'il est aussi confiant, c'est en raison de la sécurité et la liberté qu'offrent les crypto-monnaies. Aujourd'hui, quand tu as ton Bitcoin, personne ne peut venir fermer ton compte Bitcoin. Il n'y a personne au milieu. C'est des algorithmes qui gèrent tout et c'est sécurisé. On estime à 300% le taux d'adoption en moyenne par an, avec une forte pénétration dans les pays d'Asie du Sud et en Afrique. Depuis environ 9 mois, Sophie s'est intéressée à cette monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui est extrêmement volatile. Donc ça veut dire que sa valeur fluctue. Donc par exemple, à midi, on achète une crypto-monnaie qui peut valoir 1000 dollars. Et puis à midi 10, ça chute à 800 dollars, par exemple. Donc oui, il y a des risques. C'est très important en fait de se former. Une formation importante si on veut éviter les pièges. Car si les spécialistes annoncent un taux d'intérêt de 300% sur l'épargne contre 3,5% en banque pour la monnaie fiduciaire, le gain facile n'existe pas. C'est ce qu'a appris à ses dépens Daniel. Il y a environ 3 mois, il est contacté par une plateforme via ce message. Bonjour, nous recrutons du personnel à temps partiel en ligne. Salaire journalier, 30 000 à 100 000 francs. Cliquez pour consulter. Depuis 2017, j'ai fini mon stage, j'ai soutenu tout et tout et tout. Mais jusqu'à présent, rien de stable. Donc, pendant qu'on cherche aussi autour, on essaie de toucher un peu à tout. Voilà comment je me suis retrouvé en fait dans la crypto-monnaie. J'ai cliqué sur le lien pour aller voir à quoi est-ce que ça ressemblait, ce que c'était. Et c'est là que j'ai découvert cette plateforme
Et bon, je me suis mis dedans en fait. Tu investissais seulement une seule fois, 120 000. Et tu devais gagner 135 000 chaque fin de mois pendant un an. Loin de se douter de la supercherie et sans avoir physiquement vu son interlocuteur, Daniel se laisse convaincre et invite même des proches à s'inscrire. Mais cette manne financière sera de courte durée. Au début, quand ils arrivent, la somme d'investissement n'est pas élevée. Mais après, ils vont augmenter. Et puis ils vont te dire aussi qu'ils augmentent un peu le gain. Et après encore, ils augmentent encore l'investissement. Et ils augmentent le gain. Franchement, avec ce que nous voyait, on se disait que c'était tellement crédible, c'était tellement honnête qu'on ne croyait pas. On ne pouvait pas penser qu'un jour ils allaient fermer en fait. Ces cas d'anarches sont légion. En témoigne la récente arrestation d'acteurs derrière cette plateforme, se faisant passer pour des gestionnaires de crypto-monnaies. Face à ces escrocs du net, les spécialistes, eux, ne cessent d'attirer l'attention sur ces entreprises qui promettent la richesse en un temps record. Ces sociétés-là ont des systèmes, aujourd'hui on peut tout faire, ont des systèmes informatiques où ils vous font penser que votre argent grandit, alors qu'il n'y a rien derrière. C'est juste un écran qu'on vous donne chaque matin, ils font la mise à jour, comme si votre argent grandit. Si vous voulez travailler dans les crypto-monnaies, pouvoir vous faire peut-être des plus-values dans les crypto-monnaies, c'est comme des actions. Vous partez acheter vos actions dans une SGI et vous suivez les cours de l'action. Le jour où vous voyez que vous avez une plus-value, vous vendez votre action. En dépit de cette réalité, tous les pronostics des acteurs du monde financier se rejoignent. La crypto-monnaie est une révolution du secteur et a de beaux jours. Le non-averti qui voit ceci, il trouve cela comme intéressant. Alors il avait prévu ses 500 dollars, il avait parti payer ses PP, il avait parti payer ses cakes, voilà, il avait parti payer ses polkadot. Alors tout ça, il dit non, ça va me donner beaucoup de pièces. Lorsque j'ai fait, j'ai positionné, dit mes 500 dollars, alors en quelques jours seulement, ça va me donner tel montant et je vais prendre ça pour aller augmenter mes pièces là-bas. Ça ne va pas rentrer en ordre. Ça ne va pas rentrer en ordre. Voilà. Au premier niveau, on peut te faire gagner même une seule journée d'abord pour t'appâter d'abord. Maintenant, on va te dire maintenant pour passer au plan suivant, il faut augmenter la mise. Quand tu augmentes la mise maintenant, alors c'est bloqué maintenant à ce niveau là-bas. Et donc, du coup, quelques temps après, voilà, vous allez constater que voilà, les premiers ont gagné, ils vont présenter leurs gains, ils vont vous embrouiller dans les différents forums. Vous allez vous laisser appâter par tout ceci. Et quelques 6 mois, même si ça a trop duré, après ils disparaissent. Voilà. Et ils reviennent encore sur un autre nom. Vous avez vu en son temps. Alors, comment on appelle c'est la même chose aussi comme EtherConnect en son temps, qui était venu en 2017 sur une autre appellation. Et après, encore en 2022, là-bas, il est revenu sur le nom de EtherConnect. Et encore, les mêmes encore sont allés mettre de l'argent là-bas. Pendant ce temps, les cakes là se négociaient à 1 dollar. Ils ne sont pas allés payer. Ils ont laissé tous ces tigres. Des chibas étaient à portée de main. Tous ces crypto-monnaies étaient à portée de main. Ils n'ont pas payé. Ils sont allés mettre de l'argent. Aujourd'hui, ils sont là encore en train de courir à gauche, à droite pour chercher de l'argent. Alors, il faut savoir déjà que une société qui fait, alors qui utilise la crypto-monnaie comme moyen de paiement, est différent d'un investissement où tu t'en vas payer tes Shiba. Tu t'en vas payer tes Shiba sur Pancake, soit une plateforme décentrale, ou même sur Binance. Alors tu as payé aujourd'hui, si dans quelques minutes même là, ça tu vois que ça a pris de la valeur, tu vends, tu quittes le marché. Personne ne va te demander quelque chose. Tu as payé sur PancakeSwap, tu as payé sur Uniswap qui est encore décentralisé. Tu payes maintenant. Dans quelques instants seulement, tu as envie de vendre, tu vends. Alors c'est différent d'une plateforme où tu t'en déposes de l'argent, on te fait la promesse d'un gain. Et du coup, toi, tu miroites ça dans ton esprit et du coup, tu perds de l'argent. Et tu viens dire non, c'est la crypto-monnaie. C'est pas la crypto-monnaie qui t'a envoyé là-bas. La crypto-monnaie est juste un moyen de paiement. Je t'explique un peu. Alors, c'est comme par exemple, nous décidons de faire une tontine. Et dans notre tontine, on choisit quelqu'un comme étant le patron de la tontine. On lui remet notre argent, mais en passant par exemple par Wave. On fait le dépôt par Wave ou par Orange Money, ce que vous voulez. En tout cas, par Mobile Money, on fait le dépôt. Et donc, la tontine fonctionne, lui, il a pris pour lui, c'était un prix pour eux. Alors, peut-être qu'il avait un coup avec ses amis. En tout cas, il a pris pour lui, quelques-uns de ses amis ont pris pour eux. Et puis, un matin, voilà, il disparaît avec les fonds. Alors, vous allez partir accuser Orange ou bien Wave pour dire que c'est eux qui ont pris votre argent. Ils n'ont pas pris votre argent. Ils ont juste été un canal pour le transfert. Ils ont été juste un moyen de paiement, c'est tout.
C'est la même chose qui se passe quand vous partez mettre de l'argent dans ces business d'investissement en ligne qui utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement, mais pas du tout. C'est pas du tout de la crypto-monnaie, c'est pas du tout une plateforme, je sais pas, de Shiba ou bien de Baby Doge ou bien, je ne sais pas. On n'a pas dit que Nanak n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle les red pools qui se passent en crypto-monnaie, une crypto-monnaie qui peut sortir du jour au lendemain et puis vider les fonds pour disparaître. C'est pourquoi on parle de formation tout le temps. Parce que si tu ne sais pas faire la différence, si tu ne sais même pas analyser tout ceci avant d'investir, alors tu seras en train de mettre ton argent dans un faux truc en pensant que tu es en train d'investir en crypto-monnaie. Voilà des erreurs que beaucoup font et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur-là. Tu avais ton argent tout tranquillement, tu dis que tu vas aller payer ta maison. Va payer ta maison directement ou bien... Alors, si on te parle de crypto-monnaie que tu ne maîtrises pas, tu viens faire une formation et dès la formation, tu vas poser la question. Ah, coach, j'ai vu un site, là, on appelle ça Omega Pro. Ils disent que voilà, si tu mets tel montant, ils vont te donner tel pourcentage. Alors, je te dirais, c'est des bêtises, mon frère. Mets pas ton argent dedans. Tu as envie de mettre ton argent dans paye Bitcoin directement. Paye Shiba. Paye Cake. Si tu veux, en 6 mois, déjà, tu auras fait 1x2, 1x3 avec déjà le Cake. Est-ce que tu sais ça au moins? Mais tu refuses de le faire, tu ne veux pas te former parce que tu as entendu crypto-monnaie et qu'on t'a fait des publicités bien jolies là et que tu as vu quelques stars que tu aimes bien. Alors, tu as convaincu, lui, la star, là, il cherche son argent, on te dit, ah, tu vas apparaître simplement pendant 2 minutes dans une publicité, voilà, on va te donner 10 millions. Pourquoi il a refusé? Voilà ce que la star fait. Mais les stars ont commencé à comprendre ça. Il y en a même quand on va leur proposer de l'argent, ils refusent parce que aussi, cela il va aussi de la réputation de ces derniers aussi. Mais la plupart aussi, alors regarde l'argent, ne regarde pas la réputation, il prend l'argent et puis quitte là. Voilà pourquoi la SEC a commencé à attaquer aussi certaines stars du football. La SEC a commencé à attaquer certaines stars du cinéma au niveau des États-Unis. Est-ce que vous êtes informé de ça? Donc, ceux qui veulent venir associer les images, si vous êtes une star, à ce genre de choses, refusez catégoriquement si vous n'avez pas vraiment une lisibilité très claire de tout ce qui se passe dans cette plateforme. On n'a pas dit qu'il ne faut pas associer son image à quelque chose de bien, mais il faut bien vérifier, il ne faut pas derrière la part du gain d'abord, mais regarde ce que tu t'en vas faire. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est légal? Est-ce que tous les voyants sont ouverts avant que toi, tu te lances dans ce genre de choses? Voilà des choses que nous avons voulu partager avec vous. Parce que le bull market approche. Et donc, comme le bull market approche, beaucoup de ces gens de choses vont pulluler le marché. Et le non-sargent qui va rentrer dans la crypto-monnaie va penser, et non, ça, là, c'est tout ça, là, c'est crypto-monnaie. C'est faux, mon frère, c'est pas crypto-monnaie. La crypto-monnaie, pour un novice qui arrive là, c'est de faire du holding. Tu perds ton Shiba, tu te poses. Tu perds ton Cake, tu te poses. Tu perds tes Jasmine, tu te poses. Voilà, ça prend de la valeur, tu vends. Et aussi, sans formation aussi, si tu le fais aussi, tu peux aller payer sur un site aussi des crypto-monnaies officielles, mais qui peut fermer aussi, du jour au lendemain aussi. On a vu Hotbit qui a fermé, non? Ils sont partis avec beaucoup de crypto-monnaies là. Est-ce que vous le savez? Alors, si vous savez que toutes ces choses peuvent arriver, alors pourquoi ne pas garantir, même si c'est à 80%, à 90%, vos acquis d'abord avant d'investir? C'est-à-dire, venez vous former. C'est vrai qu'il n'existe pas de risque zéro, mais quand même, avec la formation, vous avez des prérequis pour des outils pour déceler le vrai du faux avant d'investir. Vous avez au moins des pistes de réflexion pour savoir si c'est bon ou bien si c'est pas bon. Voilà ce que la formation vous apporte. Voilà ce que nous avons à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et des mondes de la blockchain. Pour ceux qui veulent la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Et pour revenir un peu rapidement dessus, alors faites attention à ceux qui viennent vous miroiter aussi les différents gains. Tu as vu, moi j'ai pris 1 000 $ hier, j'ai pris tant d'argent. C'est des bêtises. Voilà, premier entrée, premier servi. Il faut comprendre ça. Premier entrée, premier servi. Toi qui viens en arrière-plan, là, tu viens enrichir les premiers. Il ne faut pas oublier ça. C'est souvent, la plupart du temps, c'est des pyramides de Ponzi. Et ce genre de choses, quand le bull market va commencer véritablement, vous allez voir qu'ils vont vous faire des propositions extraordinaires. La plupart même vont prendre votre argent pour aller investir, récupérer ça, puis disparaître. Donc, parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Donc, eux, là, ils comptent sur vous pour avoir la liquidité pour aller investir. Pourquoi là où ça va mettre son argent pour faire pour venir te donner? Pourquoi toi, mais tu ne viens pas apprendre? Si tu viens apprendre ton swing trading, tu veux faire de l'argent chaque jour, non? Tu peux apprendre. Tu peux apprendre sans prendre des risques, sans faire des leviers bizarres.
tu prends ta chose, si c'est tes 20, tes 10 dollars, tes 5 dollars, tu peux faire par jour. Tu peux le faire en apprenant et pour éviter aussi des risques inutiles. Tout ça, c'est possible en formation. Voilà. Et donc, nous voulons un peu revenir un peu sur ça pour interpeller les gens pour dire on peut faire de l'argent au quotidien, on peut faire son holding aussi. Tout ça, c'est possible. En formation, on enseigne cela. Alors, demandez aux apprenants de Korogo, demandez à Abidjan, demandez à San Pedro, demandez au Burkina. Alors, tous ceux-là ont appris et continuent d'apprendre encore d'autres stratégies pour améliorer leur quotidien. Et à la fin de ce bull market, alors nous allons faire le point ici de ceux qui ont frappé fort. Vous allez voir aussi, la liste sera très longue. Voilà, par rapport à ceux qui ont appris. Parce qu'au moment où c'est le moment d'apprendre, il faut apprendre. Au moment aussi, on va récolter. C'est le moment de récolter, on va récolter. Voilà, vous aurez, pour ceux qui ont traîné les pas, alors vous aurez les yeux pour constater, tout simplement, parce que voilà, vous avez pensé que la formation coûte cher. Alors vous avez essayé l'ignorant, et vous allez payer le plus cher. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire la formation au niveau de San Pedro, c'est prévu le 24 et le 25, voilà, et mai prochain, aller interagir avec le grand leader qu'on appelle Tébu Joseph du côté de San Pedro. Après San Pedro, ça a bien. Le 6 juillet prochain, à la bourse du travail de Trailleville, avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Après Abidjan, alors nous partons à Oumé. Oumé, c'est prévu le 13 et le 14 juillet prochain, aller interagir avec le grand leader qu'on appelle voilà, Mobio du côté d'Oumé. Alors, les numéros se trouvent dans la description de la vidéo ici, quelles que soient les différentes zones. Alors, vous pouvez aussi directement nous appeler pour plus d'informations. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.